Eh oui les amis, c'est moi, je vous ai pas oublié, non non non, vous inquiétez pas, je vous ai pas oublié. J'espère que vous allez bien, moi ça va vraiment très très bien, hein. Il fait juste super chaud, hein, mais bon, tu vois, je profite un petit peu d'être le soir et d'être tout seul chez moi pour pouvoir faire cette vidéo. Comme ça, je peux changer de masque, il fait pas 45 degrés dehors, donc ça va, c'est cool, c'est bien. Oui, c'est vrai, hein, t'as vu, je mets longtemps à faire quand même des petites vidéos là. Hein. En ce moment, je propose pas grand-chose, hein, mais faut dire aussi que sur les jeux que je fais, il n'y a pas grand-chose à proposer en ce moment. Mais ça a changé tout ça. Et oui, ça a changé parce qu'on a eu la petite mise à jour. Donc là, à l'heure où je vous parle, on est le 27. Donc le 27 juillet, donc la mise à jour, elle est tombée le 26, le jeudi. Ben voilà, tout simplement, ça a été la petite mise à jour ligne de front. Voilà, ça y est, avec trois nouvelles maps, plus une map de mode opération, qu'on verra ça dans une autre vidéo. Mais en attendant, aujourd'hui, on va essayer de se faire un petit peu les trois nouvelles maps. On va aller en moship pour faire le roulement, enfin si on peut, forcément. Hein. Mais il y a aussi un petit truc. Donc le petit truc c'est quoi? C'est que y a aussi une petite nouvelle nouveauté, on va dire ça comme ça, et c'est le 2 lys. Le 2 lys, c'est un petit sniper, tu vois, court, mais qui je pense c'est pas trop dégueulasse vu en dégâts. Bon, je pense qu'il a un petit peu moins de dégâts que le K98, où on n'en est pas loin. Donc bon, on risque de faire plus de hitmarkers, ça va un peu ressembler à l'autre d'avant, le Lin là. Mais bon, après tu vois, il est sympa. Je le trouve sympa celui-là, je sais pas, je l'aime bien, il est sympatoche, voilà, voilà. C'est con qu'on peut pas le regarder plus par en dessus et par en dessous là dans ce truc là, mais bon voilà. Enfin bon, comme tu peux le voir, mes crédits là-haut, tu vois, je suis à 14 663, donc pour l'avoir, c'est chaud, hein. Il me faut 9 000 ici, 8 000 ici, 2 000 ici, 1 000 ici. Enfin bon, j'en suis loin, j'en suis très loin. Hein, que si je prends celui-là, je peux pas prendre celui-là, donc bon, j'attends d'avoir tout pour prendre tout d'un coup, en fait, tu vois, voilà. En plus, c'est pas très très top, hein. Franchement, tu vois, le camouflage là est dégueulasse, hein. La petite danse, bon, celle-là, elle est rigolote, voilà, hein. Ils se la font un petit peu à la Fortnite là-dedans, un petit peu les petites danses maintenant, tranquille et tout, là, ça y est, t'sais, ils essayent de copier un peu. Ça, c'est complètement bidon, hein, je suis désolé, en plus, je crois que c'est un bidon, donc ça va être qu'à le dire. Ça, c'est quoi? Le mastodonte. Ouais, tu vois, enfin moi après je joue pas avec cette classe-là, avec le bouclier, putain, ah oui, on en parle du bouclier? Non, 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 on n'en parle pas. Qu'est-ce qu'ils sont chiants, et je pense qu'on va en croiser en plus avec ça. Et puis ensuite, porteur d'équipe, franchement, dégueulasse, hein. Ça coûte la peau du cul et c'est dégueulasse, je suis désolé de vous dire ça. Le seul truc qui est bien, c'est la récompense au bout, ça. Et s'il faut, il est nul à chier, hein, je sais pas, hein, mais j'en vois qui me tue avec, donc il doit être pas mal quand même, il doit être pas mal. Enfin bon, allez, on va laisser trouver une petite partie donc en moship. On a dit hop, tic-tac, moship. United Front. Et puis c'est parti, allez, go! Allez, donc on est parti sur Market Garden, voilà, première petite map, tranquillou, on arrive en cours de partie, c'est pas plus mal, en plus c'est la deuxième phase, comme ça après ça va tourner assez vite pour voir les maps, parce qu'on est là plutôt pour visiter les maps que pour faire du kill. Bon, je les ai déjà fait une ou deux fois chacune, mais j'ai pas du tout, voilà, tu vois, j'ai pas du tout mes traces, hein. Franchement j'ai pas encore mes marques sur cette map, ce qui est tout à fait normal, maintenant voilà, vous inquiétez pas si sur les nouvelles maps à chaque fois vous avez l'impression de vous faire défoncer, vous êtes pas le seul, et vous allez voir la preuve en image. Alors attends, attends, parce que là il y a des gens qui crient. Ok, alors lui il s'est fait, mais leur spawn il est là, là, il est juste là, mais faut faire, voilà, faut faire gaffe, non non, faut faire gaffe. Alors, lui m'a pas vu, et moi je l'ai pas eu, comme ça c'est cool parce que ça rime. Oh putain, genre wellbang, ça passe pas là. Ah! Mais attends, mais ouais, mais ouais, mais non! Mais non! Bon, ouais, on va dire que c'est la petite partie de chauffe. Allez, viens. Oh, hitmarker! Putain, mais tu le vis ça, pour une fois que je touche un petit peu stylé, je fais un hitmarker. Allez, 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 allez. Non, je tire trop tard. Oh! Attends, là, il y en a un. Ah! Ah, ils m'entouraient, ils m'entouraient. Ils m'entouraient, les petits coquins. Oh, le con, je savais, il était en train
de faire le furtif. Donc voilà, Market Garden, c'est celle-là. Putain, il y a toujours un autre qui est toujours dans mon dos. Elle est pas mal, c'est pas ma préférée pour vous dire. Elle est pas mal, mais au sniper, elle est un peu chaude quand même. Enfin, pour moi, à mon niveau de moi, au sniper, c'est un peu chaud. Mais bon, elle est sympatoche. Je pense qu'en 1v1, celle-là, ou tu sais, en match comme ça d'équipe, vous faites des matchs privés, là, tu vois. Ça peut être sympa, mais en multi, je la kiffe pas trop. Mais elle est pas mal. On peut pas dire que c'est de la merde. Enfin, voilà, moi, je peux pas te le dire. Hein. Mais on peut pas dire... Enfin, il y a pire, quoi. Il y a pire en map. Enfin, je trouve. Elle est pas mal. Je trouve. Allez, tire dans le vent, là, tu t'en fous. Tu touches à travers la porte. Oui! Oh là là, my god. Bully shit. On sécurise Bert. Ils m'arrivent par là, là. Où est-ce qu'ils vont arriver? Ça me fait peur. Voilà, au moins, il y en a un qui vient me dire. Allez. Ça va, il se gaffe. Bombe incendiaire. Mais je l'avais vu, ouais, mais trop tard. Parce qu'en fait, j'avais vu celui de derrière. Et j'avais vu celui de devant après. Du coup, c'était un peu dur à gérer. Putain, mais lui là. Oh là là, ils sont deux. Mais putain, c'est pas possible. Ça pète dans tous les sens. Ça trempe partout là. Mais what the hell? Mais non. Mais non. Une noob en plus. Voilà, bah on a gagné. Je sais même pas comment. Regarde. Attends, vas-y, pousse-toi. Dégage. Ah ça, je fais du 4-13. Oh my god. Ah bah ça, de toute façon, c'est normal, je vous l'avais dit, vous allez voir quand on se fait défoncer dans les nouvelles maps. Moi, en tout cas, c'est toujours comme ça. Je mets toujours une bonne semaine, voire deux semaines, avant d'avoir vraiment mes marques sur les maps. Donc du coup, bah, mon ratio, en ce moment, il tombe, tu vois, il monte pas, il tombe là. Mais bon, tant pis, c'est pas grave, c'est le jeu, ma pauvre, le 7, c'est comme ça. Tant qu'on passe des bons moments, ça va, c'est cool. Alors, quelle map? Ah bah tiens, voilà. Monte Cassino, et non pas Monte Casino, attention, hein, ça ne veut pas dire la même chose, Monte Cassino, donc celle-là c'est une petite ville, vous allez voir, qui a été complètement démontée, et j'aime bien celle-là, tu vois, bizarrement j'aime bien, après je dis pas que ça va mieux se passer, mais en tout cas, elle est plutôt pas mal, et puis apparemment ça va rester sur Monte Cassino, parce que voilà, ça y est, c'est bon, c'est parti, je vous passe un petit peu, et puis je reviens tout de suite. Hop, tic tac touc, on garde le petit sniper. Allez, encore 5 secondes. Que passa de la station et Monte Cassino. Elle est pour mal. Oh putain, ils sont plus dans leur équipe. Ah, ils ont réussi à prendre C bien avant. Du coup, ils vont être là bien avant. Et oui. Oh damn. Oh putain, elle aurait été magnifique comme triplette. Oh damn, elle aurait été trop belle cette triplette quoi. Tu vois pas d'entrée de jeu comme ça là. J'aurais mis tout le monde d'accord. Oh la vache. Oh. Ouais, mais pas que. Il est pas tout seul. Eh, il était en haut. Ah. Mais où est-ce qu'il est? Il est par là. Oh lolo, ouais, c'est ça, bombe là, ça a fait là. Ok, donc là ils sont là-haut, on va essayer de les prendre à la hache. Coucou. Oh, oui, la petite doublette à la hachette. Oh, elle fait plaisir celle-là. Il faut vite qu'on se casse quand même. Hein. Ouh, elle fait plaisir. Oh, voilà, ça commence à venir. Ça commence à venir les mecs avec leur putain de trucs là, de bouclier de merde. Et encore lui, ça va, il avait pas de vent. Mais il y en a, il reste toute la partie avec le bouclier devant eux. C'est impressionnant. C'est un truc... pourquoi ils ont été nous coller ça? Non mais sans déconner. Sans déconner, pourquoi ils ont été nous coller un truc pareil, quoi. On était très bien sans. On était vraiment très bien sans. My gosh. Holy shit. Voilà, dégage. Voilà. Oh merde, il était sur A déjà. Oh le con. Allez, bah oui, le temps que j'arrive, A sera pris. Oh, ouais, d'accord. Eh, plus c'est facile, moins j'y arrive. T'as vu, c'est dingue. Hein. Plus c'est facile, moins j'y arrive. Normal, j'aime pas la facilité, moi. Pour moi, il faut pas que ce soit facile, moi. Je veux pas, moi.
Ah, dommage. Ah, ah, il a pris. Oh oui! Eh, magique quand même. Ah, pas mal. Il était assez loin. C'était assez bien. Oh, mais vas-y. Oh, mais vas-y, mais... Putain! Eh non, mais je te jure, à des fois, j'ai envie de me pendre, quoi. Putain, c'est incroyable. Et voilà. Ah ouais, non, mais il y a des fois où tu te dis, mais comment je peux être précis à ce point-là, à côté, quoi. C'est incroyable. Incroyable. Et là, voilà, on se fait démonter par le machin, là. Je sais pas où il est. Bon, mi-temps, hein. Mi-temps. On perd bien comme il faut, correct. Je fais du 14-12, donc bon, j'essaye d'attaquer, tu vois, en une mi-temps, j'en ai pris 3, j'en ai défendu 3, j'essaye de jouer un petit peu l'objectif, chose que ces deux derniers-là de notre équipe n'arrivent pas à faire apparemment, voilà, et puis voilà, donc je comprends pas trop pourquoi on perd, parce qu'on joue plutôt pas mal, dans le sens où on essaye quand même, on est 3, même 4 à prendre les points, donc je comprends pas trop, mais bon, c'est pas grave. Pas se poser de questions, faut continuer à jouer. On va peut-être remonter dans cette seconde période. On a déjà vu pire. Ok, je l'ai pas vu. Et là, trop facile, donc je préfère pas l'avoir. Non, 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 c'est trop facile là. Ma hook, ils sont. Ouais, bah, il suffit de le dire. Attends. Oh putain, oui, j'allais redire ma hook, ils sont. Ils étaient deux déjà. Tu vois, et lui là, hein, il est de dos, je peux pas l'avoir. Putain, ça m'énerve ça. Tu vois, ça c'est le genre de truc, c'est énervant. Ça va que tu es pas en série, mais imagine, t'es sur une série là. Hein, imagine, tu viens de faire un sans pitié, tu peux continuer. Et puis, il y a un connard avec son... avec son gilet, non, avec son bouclier là, de merde. Qui vient et qui te pète ta série. Tu crois que t'es content? Tu crois que t'as envie de rester sur le jeu après? Non mais, pourquoi? Pourquoi nous ont... Oh, j'arrive plus à le dire, tu vois comment c'est chiant à dire. Pourquoi ils nous ont mis un bouclier? Ah, damn, quoi. Parce que, genre, moi, j'aurais pas fait damn. Petite marque, sans déconner. Ouh, dégage. Il est là, ton pote, encore? Ben non, forcément, il vient voir. Allez, mais allez! Ouais, mais je le touche, mais en fait, il touche son bouclier derrière, quoi. Ça prend son bouclier, ça ne prend pas lui. Et c'est vraiment chiant. Faut vraiment être dessus, quoi. Oh, en sautant, j'aurais bien... Ah ben oui, d'accord, c'est toi. Ah ben voilà, hein, je suis repassé en négatif. Hein. Dommage. Dommage, Berthe. Ouais, mais t'as vu aussi comment je joue. Ça m'étonne pas. Je suis repassé en négatif. Là, 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 là. Ça pète. Ça pète dans tous les sens, mon gars. D'accord, donc toi tu m'as pas vu, j'ai eu le temps de te scope en prenant la respiration et tout et tout et tout. Quand même. Putain, mais ça m'énerve le bombardement aussi, là, il y a trois passages. Là, vaut mieux rester là. Il y a un troisième passage. Voilà. Je l'ai eu. Molotov. Ah non. Ah non. Pas derrière moi. Dans mon dos, dans mon dos. Allez, crame. Voilà. Oh, on prend B, on prend B, on prend B. On arrive à garder B. On a pris B. Quoi? Ah, quand même. Tiens, mais tuez-le. Tuez-le, quand même. Tuez-le. Hop, 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 hop. Trouvez un abri. Allez, vite, vite, cours, 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 Maurice. Bien sûr qu'il capture Berthe, on peut plus y aller sur Berthe. Ils prennent Anatole. Quoi? Mais suis-je en train de rêver? Mais attends, où qu'il est, le gars, là? Bah, ouais. Où qu'il est, le mec? Allez, plus vite. Allez, de toute façon, c'est fini, on a perdu. Hein. On a quand même bien remonté, mais on a perdu. Hein. On est où là? 24-24. Ouais, ouais, représente. Mais ils sont où? Oh là là.
Allez, c'est bon, on va s'arrêter là-dessus. Voilà. Voilà. Parfait. Non, mais on n'arrête pas la vidéo là-dessus. Attention, non, 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 non. Parce qu'il reste encore une map. Donc j'espère quand même qu'on va tomber dessus. Allez, donc on est parti pour cette petite nouvelle map. Donc c'est nouvelle map. Hein, donc c'est Stalingrad. Stalingrad qui, au sniper, est plutôt pas mal. Elle est plutôt bien pour les joueurs sniper. Donc là, on arrive sur une petite partie en je sais pas quoi. Domination, voilà. Bon, domination, manche 1. Écoutez, on arrive en contre-partie, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal qu'on a réussi à avoir les trois comme ça assez facilement. Attends, ouais, désolé, voilà. Attends, je me reconcentre. Et puis, ça va bien se passer, hein. Donc, encore une fois, je le répète, sur les nouvelles maps, pour moi, je sais pas si vous c'est pareil, mais en tout cas, pour moi, j'ai vraiment un temps d'adaptation. Et merde, la chute était trop violente. Il me faut vraiment un temps d'adaptation pour vraiment arriver à faire quelque chose de correct et de fou dessus, à mon sens. De fou, à mon sens. À mon sens de moi, attention, pas de fou à la Skyrose ou à la Gotha ou à la ce que tu veux, non, non, non. Allez, le petit noscope en turn. Et tu croyais que quoi, que je t'avais pas senti d'essayer de me titiller le bistouri, hein? Oh, tu imagines en jumpshot. Oh, il aurait été classe quand même. Eh, mais attends, mais je suis complètement dessus là. À un moment donné, faut me les donner mes kills. À un moment donné. Voilà. Oh, il y en a un derrière. Oh, il y en a un derrière. Je recharge, recharge. J'ai clash en arme secondaire. Hein, donc ça servait strictement de toute façon à rien. Va péter. Viens, viens. Il est pas en haut. Attends. Il était en haut et moi je l'attends en bas. Ah non. Ram. Saucisse. Allez, allez. Oh là là, mais je te dis, moi, plus c'est facile, manger. Et tu vois, lui, là, avec son bouclier, là. Non, mais putain, je te jure. Ah non, mais ça, je supporte pas. Le bouclier, je ne supporte pas. Allez, seconde manche. On va essayer de faire mieux que la première, quand même. Parce que, de mon côté, je fais que du 4-5. Ça pourrait être mieux, mais ça pourrait être mieux. Ah, oh, mais non, mais non. Oh, en plus, ils arrivent à 2, là. Ah, de toute façon, je les aurais pas eu en collab, parce que le bouclier aurait sauvé l'autre 2 derrière. Ça aussi, ouais, tu vois, j'avais pas pensé, mais c'est vrai que sur les collates, il peut sauver ses potes. Ça le parle, il peut sauver ses potes. Mais putain, mais what? Mais qu'est-ce que j'ai? Mais dites-moi, docteur, qu'est-ce que j'ai pour arriver à ne plus être précis comme ça? Mais d'une puissance, pourquoi je jette ma grue? D'une puissance phénoménale, quand même. Alors, dans mon Tecassino, ça s'est plutôt pas trop mal passé, mais alors là, je me fais déboîter, mais correct. Hein. Et encore, je reste tranquille en disant ça. Je pourrais m'énerver, je pourrais rager, mais c'est pas le but. On est là aussi pour voir les nouvelles maps. Et on fera des bonnes parties dessus plus tard. Là, je m'inquiète pas. Pourquoi j'en ai deux, moi, mec. Putain, m'énerve. On va l'attendre là. De toute façon, lui, il nous attend. Oula, 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 calme-toi, calme-toi, calme-toi. On la joue stratège. J'en ai un dans mon dos. C'est bon. Il est là. Putain, il y en a un qui arrive. Il est là. Ah non, putain, il m'a vu. Oh, je croyais qu'il m'avait pas vu, tu sais. Je me suis dit, ça y est, c'est bon. Passe à côté, je te plante dans le dos. Quand même. Pas quand même. Pas quand même. Forcément, je me découvre. Il me trouve. Ah ouais, mais t'as vu, mais je suis vraiment pas précis aussi. Ça y fait énormément. Ça y fait énormément. On a 2 sur 2 quand même. Voilà, j'en ai eu un, mais il y a toujours l'autre avec son bouclier. Allez, mais j'ai tiré. J'ai tiré, monsieur. Oui, 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 oui. Bon, Benny, elle est pour moi. J'aurais cru. Je tire parce qu'on ne sait jamais. Le type peut être par là. Oh, oh, il m'a pas vu en plus. Oh oui. Oh oui. Il m'avait pas vu. Voilà, maintenant j'ai le temps de recharger, tranquille, Pépère, Albert, tranquille.
Wouh! Allez, ça c'est cool, ça c'est bien. Tu vois, je dis au sniper, elle est pas mal, mais j'ai pas fait vraiment une énorme partie de ça au sniper. J'ai pas été comme dans Monte Cassino, ça c'est clair et net. Allez, crame! Ah bah oui, il m'a vu. Il m'a vu, turlututu! Chapeau pointu! Mais tu vois, mais moi, mais comment je peux me rater des coups pareils? Lui, je devais le tuer il y a au moins 5 secondes avant. Et l'autre qui m'est arrivé avec son petit pétard, là, j'aurais eu le temps de l'avoir. Allez, du coup, voilà, il me tue deux fois. Ouh, voilà, défaite. Bon, ben voilà. C'est la défaite! Ça y est, on a perdu! C'est fini, c'est mort, c'est fini. Pourquoi tu trembles, toi? Arrête de trembler, la partie elle est finie. Mais j'ai la manette, elle vibre toute seule. Tu l'entends pas? Arrête de vibrer! Arrête de vibrer! Si je la mets sur la table, elle va faire du bruit. Ça va. Elle a un mini vibrement. Voilà les amis, ça y est, c'est fait. On a fait le petit tour des trois maps, des trois nouvelles maps en multijoueur de United Front, de la nouvelle mise à jour de Call of Duty World War 2. Et puis, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire d'autre? Prochaine vidéo, le mode guerre pour découvrir la nouvelle map aussi. Et puis, voilà. En attendant les amis, si la petite vidéo vous a plu, tu changes pas les habitudes, pouce bleu, pouce rouge, côté vidéo, là, tout. Et puis voilà, sur ce, passez un bon moment, passez de bonnes soirées, d'agréables moments encore une fois. Et puis, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, salut, à plus.